Nous, on va faire un petit tour avec Lily Jai. On va faire un petit tour avec Lily Jai. Vous voulez venir? Ah oui, oui. On va pas très loin. Hein. Sur viens, Lily Jai, viens. J'arrive. Oui, oui. Ça y est, on commence à marcher. À sortir. Genou va mieux. Viens Newton. Ouais. Allez, on va lâcher. On est pas mal ici, mais ça commence à faire un peu long cette convalescence de genoux. Il y en a marre. Hein. Bon, c'est vrai, il y a pire. Hein. On a tout ce qu'il faut. On a de l'eau là-bas, de l'électricité, de quoi vidanger les eaux grises, vue sur la campagne. Mais bon, au bout de 8 jours, c'est ça là maintenant. Oh putain. Là, on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Bon, demain, ostéopathe. Zou. Voilà, notre petit tour quotidien. Ah mon Dieu. Voilà. Voilà, ça c'est notre petit tour tous les jours. En attendant que le genou refonctionne correctement. Sans douleur surtout. Ça c'est un chemin plongeant. J'ai plus l'habitude d'aller aussi vite, mais avec Gustave. Oh mon Dieu! Ah oui, il y a le viaduc là. Comment ça s'appelle? Le viaduc de je sais pas quoi là. Le viaduc de Neuvia. Oh putain, tu me fais peur. Voilà, oh, t'es un cascadeur toi! Oh putain, ça tient de famille! La soeur c'est en trottinette, le frère c'est avec sa bagnole électrique. Doucement. Alors, ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'il n'y a pas de bruit dans ta bagnole, donc on a l'impression qu'on contrôle rien, tu sais. Ça descend, ça me bouge tes oreilles. Tu sais que j'ai vu beaucoup de lacs là sur ma route qui ont un niveau extrêmement bas. Hein. Extrêmement bas. C'est flippant même hein, quand tu vois ça. Ah, le joli viaduc de Rouza. Oh mon pauvre petit poussin. Non mais regardez la tête de Lily Jai. Parce que je l'ai abandonné 2h30 à peu près chez Coco. Pour aller chez l'ostéopathe pour mon genou. Ben depuis, elle ne me quitte plus des yeux comme ça. Mon chéri, ça va bien. Tout va bien, mon petit cœur. Tout va bien. T'étais malheureuse. T'étais chez Coco. Tu peux pas être malheureuse chez Coco. C'est pas possible. Ah oui. Mon petit cœur. Oh, elle était belle. Bon, j'ai vu l'ostéopathe hier. Ça va quand même beaucoup mieux maintenant. Donc c'est le nerf sciatique en fait qui a été touché pendant ma chute et qui me titille maintenant sévèrement. Donc la séance m'a fait du bien, c'est en bonne voie. Pour le moment je reste encore un peu au repos et puis on va prendre la route bientôt, j'espère.
Voilà, pour les nouvelles du... Pour les nouvelles du genou et de la chute... La chute magistrale avec Opali. En pyjama, ta-la-la-la-la-la-la. Avec la petite Lily Joy. Ouais, t'as vu, c'est Coco en pyjama ce matin. Vas-y, va faire pipi, Newt. Bon, on a une vue qui est quand même pas dégueulasse pour cette convalescence. Alors là-bas, vous avez l'autoroute A6, je crois. Entre Paris et Lyon. Vous la voyez? Avec tous les petits camions. Mais ça va, on l'entend pas. Ça dépend des vents. Mais là, aujourd'hui, on l'entend pas. Coco en pyjama. Nanana. Alors, merci, 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 merci tout plein. Bah, pour tous vos encouragements de guérison, de rétablissement, vos ondes positives, tous les gens qui m'ont envoyé plein d'amour au travers de vos petits messages, j'ai bien reçu. Parce que ça fait chaud, 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 chaud au cœur. Vous voyez, je la pêche maintenant, c'est bon. Yeah. Merci beaucoup, je pense que c'est pour ça aussi que mon genou a une guérison assez spectaculaire en fait, parce que c'est assez rapide en fait, je pensais vraiment pas. Et ben, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Et maintenant... J'ai un autre truc à vous dire. Ah, vous êtes là. Je suis en train de rédiger une annonce. Et ouais, je suis en train de rédiger une annonce. Que je vais mettre sur un site de vente de véhicules. Et oui, comme le dit si bien le titre, il me semble bien que Gustave est à vendre. Voilà, quand j'ai acheté Gustave, j'avais besoin d'un véhicule grand, très grand, parce que j'avais besoin de faire mes répétitions musicales. Et donc j'avais besoin d'espace pour pouvoir sortir ma batterie, mes guitares, etc. Pour mes répétitions. J'avais besoin aussi de faire parfois un peu d'enregistrement studio, donc ça m'oblige à déployer en fait aussi quelques machines, enfin j'ai des câbles, des pieds micro, il y a plein de choses qui se déploient, donc il faut un petit peu de place pour ça, et surtout pour les répétitions par contre, là j'ai vraiment besoin, surtout si je les sonorise même à l'intérieur du bus, j'avais besoin de place. Or, j'ai décidé depuis début février en fait d'arrêter les concerts, donc je n'ai plus besoin de faire des répétitions. Alors pourquoi j'arrête les concerts? Pour plein de raisons en fait, et que je vous expliquerai peut-être ultérieurement, de toute façon déjà une chose très simple, hein, c'est que depuis que j'ai décidé d'être chanteuse pro, je dépense plus d'argent que je n'en gagne, donc à un moment ça n'a plus de sens. Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a plein d'autres choses. Il y a le fait que tout ce matériel est très lourd, que je trimballe toute seule pour aller sur des concerts. Il y a plein de choses en fait. Hein. C'est beaucoup de travail en fait, les concerts. C'est beaucoup d'heures de répétition en amont pour finalement faire un concert par-ci par-là. C'est pas rentable. Même mes CD, j'ai encore un stock de CD, des albums à vendre, mais j'ai pas de... J'ai beaucoup plus de sorties d'argent que d'entrées, donc je me suis dit stop, voilà. Et je rentrerai plus dans les détails un peu plus tard si ça vous intéresse de savoir un peu les pourquoi du comment. Et donc j'avais pris ce bus dans l'idée de me dire finalement il y a beaucoup d'espace, donc je peux vraiment travailler dedans. En plus, quand j'ai vu l'annonce de Gustave et que j'ai vu sa déco, je me suis dit alors ça c'est bingo quoi. Je me dis soit t'es super discrète, soit t'es super voyante. Et là je me suis dit c'est vrai que pour la musique être super voyante c'est aussi une carte de visite quoi, c'est une pub. Mais ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais non plus. Bon, et au mois de février je me suis dit ça faisait un petit moment que ça me trottait. Hein. Je me suis dit il va falloir prendre des décisions sérieusement. Parce que du coup je me retrouve avec un véhicule poids lourd, avec tout ce que ça entraîne derrière. Hein, ça veut dire beaucoup de choses en termes de.
en termes de, d'espace, de place aussi sur la route, la place qu'on prend sur la route pour se garer, etc. Et moi, j'avais envie de quelque chose de plus léger maintenant, beaucoup plus light. Donc, j'ai un petit projet dans la tête dont je vous parlerai plus tard, parce que pour le moment, rien n'est posé. Mais voilà, je mets Gustave en vente pour pouvoir réaliser la suite du projet, parce que j'ai pas de, voilà, je suis obligé de vendre Gustave avant d'entamer mon projet. Donc voilà, vous le savez maintenant, Gustave est en vente. Et bon, donc si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, ou si vous-même vous êtes intéressé, eh ben vous me contactez sur turtlepamplemousse@gmail.com et je vous enverrai la petite annonce que je suis en train de rédiger là, que je vais mettre au propre sur l'informatique. Et voilà. Alors oui, je sais, il y en a parmi vous qui vont être tristes, hein, c'est sûr. Mais moi aussi, je suis triste, hein, parce que j'ai fait une super belle histoire avec ce bus. C'était vraiment une super aventure. Hein. Je me suis éclaté avec mon ami Gustave. Mais voilà, j'ai des endroits où j'aimerais accéder plus facilement. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, avec Coco, on a trouvé des petits torrents. Là, il se trouve qu'on a réussi à aller pas très loin des petits torrents deux fois. Ouais, c'est merveilleux. Avec nos gros véhicules. Faut pas croire, hein, Coco, elle fait la même taille avec son véhicule que moi, que Gustave. Et à peu près, à peu de choses près, on fait la même taille. Donc, on était super contente de pouvoir trouver ces endroits un peu sauvages, près des torrents, etc. J'ai beaucoup plus envie de ça maintenant. Voilà, donc pour ça, il faut un véhicule un peu plus adapté. Et voilà, je me dis que notre Gustave, notre charmant Gustave, il serait vraiment bien pour une petite famille. Voilà, voilà, c'est un trois places, hein, pour des parents et un enfant. Ou voilà, après, je sais pas, mais voilà, il est très facilement aménageable. Il est déjà tout beau, tout propre, hein, il est nickel, hein, il a pas vieilli en fait, ou très peu. Il a vieilli un petit peu forcément. Hein. Donc je m'étais donné 3-4 ans, voilà, j'arrive au terme des 3 ans. Et donc voilà, je suis dans mon propre timing, je suis bon. Et voilà, donc l'aventure avec Gustave va se terminer, alors pas tout de suite, hein, parce qu'il faut que j'aille donc déjà vider toutes mes affaires. Donc pour ça, je viens de louer un box en Bretagne, donc je vais remonter sur la Bretagne. Ensuite, il va falloir que je le nettoie, que je le brique, que je le fasse beau, propre, que je check un petit peu tout. Pour voir ce qu'il y a qui va et qui va pas. Et puis, après, il va falloir qu'il soit vendu. Et à ce moment-là, je pourrais passer sur l'autre projet. Il y aura un petit laps de temps, certainement. Voilà, j'espère que ça va se faire assez vite. Quand même, pour pouvoir reprendre la route rapidement, quand même. Voilà, quand je dis assez vite, c'est quelques mois. Hein, c'est pas. Voilà, faut pas que ça prenne 10 ans. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un très beau petit bus de 7,50 m de long, ce qui est passable, hein, franchement, il passe partout ce bus. Hein, vous avez vu dans les endroits où je vais, c'est incroyable. 7,50 m de long, il fait exactement 7 tonnes 540 de poids à vide, c'est-à-dire qu'il a été pesé avec le plein, enfin avec tout ce qu'il y a dedans à l'heure actuelle. Et donc on a déterminé avec la Dréal. Les mines, si vous voulez, enfin, je sais pas comment vous dire, les mines pour les véhicules, pour les aménagements, en fait, on va dire, pour vérifier que tout est aux normes au niveau des aménagements. Donc, il a 7 tonnes 540 à vide et il peut être chargé jusqu'à 10 tonnes. Il a une consommation qui est pas énorme parce que, sans doute, parce que moi, je sais pas, voilà, au niveau du poids, j'ai pas grand chose. Il consomme 16 litres au 100. Ce qui n'est pas énorme pour un véhicule de cette taille-là. On a un moteur à chaîne, donc il peut faire 3 fois le tour de la planète ce véhicule, c'est fou. Hein. Et quand je l'ai eu, il avait 39 500 km, je crois. Et là, je ne suis même pas encore à 67 000. Donc j'ai fait le rodage, en fait. Parce que les bibliobus, ça ne tourne pas beaucoup. Hein. C'est ça le truc, en fait. C'est pour ça qu'il avait très peu de kilomètres. Mais par contre, bah, il ne tourne pas beaucoup et donc c'est pas trop bon non plus pour ces grosses machines. Donc je l'ai fait tourner, j'ai fait un bon petit rodage. Donc voilà, là il est prêt à partir, hein, celui qui le prend demain, il part avec, hein, puisque je vis dedans. Donc voilà, et après ils organisent l'esthétique et les aménagements à leur goût. Le futur acheteur fait ce qu'il veut. Mais voilà, je peux dire que déjà demain il peut partir, il part sur la route tout de suite. Hein.
Voilà, donc je vais rédiger je vais finir de rédiger mon annonce et puis bye bye Gustave. Bye bye Gustave. Mais bon, j'ai un projet dans la tête qui est tellement qui correspond tellement mieux à ce que j'ai envie de faire maintenant que je suis en même temps ravi de partir sur autre chose. C'est une page qui va se tourner, mais ça a été vraiment une très très belle histoire. Merci mon gros Gustave. Sur chemin du Puy de la Reine. En route. Conduisez prudemment, qu'elle t'a dit la dame, d'accord? Ouais. Parce que nous, on est à bord avec Lily Joy là. Allez, on va se balader. C'est la première fois que je monte dans ton véhicule. Oh là là. Oh là là. Bye bye Gustave, à plus tard. Oh yeah. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as vu? On t'a piqué ta place. On a piqué la place à Newton. Oh bah dis donc, tu fais même du bruit quand tu recules, toi. Ah non, il y a un truc à mal faire, mais c'est ouais, ça. Ouais, voilà. Ok. Bon, ma petite Gustave, à tout à l'heure. Sois sage, hein. Sois bien sage, petit Gustave. Oh, le beau gosse. Allez, zou. Vroom, vroom. Youhou. Ouais, c'est parti. Ah, toi, t'as une Felicita en stéréo, dis donc. Ah ouais, dis donc, c'est la classe. Hein. C'est moderne. Hein. Ah ouais, c'est moderne chez toi, Felicita en stéréo ici, oh là là. Nous, on a passe. Ah, c'est ça. Alors, on est venu se balader avec mon frère, ma belle-sœur et Coco au bord de la Sioule avec les toutous. Oh, oh, oh. Trop bien. Oh, bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ouais, Coco fait du rodéo. Du radio. Alors on rentre de la balade et toi tu as décidé que tu allais rester là dedans. Ah, t'es trop rigolote, t'es bien là. Toi t'étais bien dans ton sac. Ah ouais, ça te plaît le sac. Ah ouais, c'est le sac à opaline ça, c'est pour mettre sur opaline après. Ouais, t'as froid hein, t'étais baigné dans la Sioule alors du coup t'as un petit peu froid, c'est ça. Donc tu te dis, ben moi je reste dans mon petit sac, c'est bien. J'ai bien chaud, emballé dans ma couverture. T'es bien là.